اي فروخ عجل فرفر سلمي اي فيا واون ورزقل حد سوغا فرجي سكال ويلتي حملن ولي وي شذها كوني زر اذهي تقلق الخطر من فدنو وغالدي غريب يبس ذلوي تنظر تفسو ذا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يراون. Donc Zahem demande, oui c'est vrai que j'ai un projet de mémoire, bien évidemment, il ne faut jamais partir et laisser quelque chose, et partir comme ça, laisser toujours une trace. J'ai un projet effectivement de mémoire, pas au sens de reporter, de réécrire l'histoire de la GSK, elle a été faite, même le dernier webinaire, jusqu'à avant la fin. Moi, je voudrais faire profiter tous les frères algériens, et Kabine en particulier, de tous ces témoignages que j'ai vécu, que j'ai eu l'honneur, le plaisir, le privilège d'avoir vécu avec la GS Kabylie aux quatre coins de l'Afrique et même du Golfe arabe. Vous savez qu'écrire un livre n'est pas une mince affaire dans la mesure où j'écris tous les jours. Je suis responsable chef du bureau régional Liberté de Tizi. J'écris en culturel, j'écris en politique, j'écris en sport. Donc chaque jour que le bon Dieu fait, je ne fais qu'écrire. Je suis encore le représentant de la chaîne 30 Kabylie depuis pratiquement une trentaine d'années, je continue de le faire. Et je tiens à vous informer, pour tous ceux qui ne savent pas, que nous avons une nouvelle chaîne de télévision privée qui s'appelle Zeya Web TV, qui est actuellement sur le site, sur le net, et qui va être sur satellite à partir d'octobre-novembre. C'est une pensée, parce que je travaille là-dedans, c'est une chaîne qui va apporter du bon au cœur. J'ai eu l'occasion d'en parler et Hussein, et Jiga, et Hamid Lamrani de Gatineau, Mr. Mofibraf, que j'ai eu le plaisir de revoir, Mr. Zouzabikir. Donc, Zweb TV, si vous ne savez pas, dès ce soir, vous allez trouver de beaux reportages, interviews de Nesset Medilet, de Noara, de Labhasma. Je vous conseille de voir dans la rubrique Société un beau reportage que j'ai moi-même couvert pour la dernière tempête de neige en Kabylie. Vous allez montrer peut-être à des amis canadiens que la neige, ça existe même en Afrique et fortement. Et la pomponnière, le phénomène des enfants abandonnés en Kabylie, vous imaginez, les pomponnières à Boukhalfa, où il y a des enfants abandonnés qui sont bien pris en charge pour être placés dans des familles, etc. Nous avons fait, vous allez découvrir pour les femmes, les braves femmes, les adorables femmes qui sont parmi nous ce soir, de voir le concours de Miss Kabylie 2012, etc. Vous allez voir le festival de la robe Kabylie qui est organisé à Tizi, que nous avons couvert. Et donc tout cela, c'est une chaîne qui, je pense, j'espère, qu'elle va meubler beaucoup de vos soirées, beaucoup de vos week-ends en hiver où il est bon de se retremper dans la chaleur du pays. C'est une chaîne qui donne des sujets qui sortent de l'ordinaire, sans tabou, sans censure, sur tous les sujets qui touchent à l'Algérien, culture, sport, société et bien évidemment politique. Donc pour ceux qui ne peuvent se rapprocher de moi tout à l'heure, je peux vous donner le site, c'est zeyelwebtv.com. Bon, voilà pour Zahir. Pour le Melika, qui m'a fait rajeunir tout à l'heure, on parlait de Chedi Boufouzoua, de Jamil Boukacha, ça me fait rajeunir, Faisal Hafat aussi, ça fait rajeunir, ce sont ceux qui ont fait la gloire de la radio algérienne. Moi, je savais que j'ai de la fierté de retrouver des Algériens comme vous qui occupez de hautes responsabilités au niveau de l'administration canadienne. Ici, en pouvoir, j'en ai vu avant-hier à Québec, des amis qui travaillent qui ont des responsabilités aussi au niveau de l'administration provinciale. Ça fait de la fierté pour moi en tant qu'Algérien et en tant que Kabyle. J'en ai trouvé en Montréal, ingénieur chez Bombardier. J'ai une amie artisanale qui est chef de service informatique, la chaîne télévision TVA, vous imaginez, c'est elle qui conçoit tous les logiciels des élections, avant l'élection, sondage, etc. Artisanale, etc. Ici, Ismis Hussein, un peu tout le monde, j'ai eu Léon Mortal qui était avec nous, c'est tout ça un plaisir donc, de vous côtoyer. Donc, ça me fait plaisir que dans tous les domaines, vous avez même en France, en matière de médecine, les meilleurs chirurgiens, pas les docteurs, les
même à la radio, nous avons d'excellents journalistes, dont certains qui étaient nos confrères à la radio algérienne, sont aujourd'hui ici, et qui est à Abdallah, qui est à Radio-Canada, Ahmed Kawa, qui est mon collègue, un ami journaliste qui est à Radio-Canada, Mouloud Belhabdi, qui est journaliste, Aziz Fares, qui ont fait la grandeur de la changement. Je veux dire, juste deux mots, un jour, je faisais jeunesse sportive de Kabylie, Zamalek du Caire, quart de finale, Coupe d'Afrique des clubs champions, à Tizi Ouzou, un vendredi, il y avait un commentateur belge, là, un belge qui était en retraite. Il travaillait une station de radio comme ça, il travaillait plus chez Radio Unes, mais il se met dans un reportage, la météo était, il avait capté Radio Alger, mais il ne savait pas. Il écoutait un reportage de football d'assez bon niveau, je pense, de qualité, mais il ne comprenait rien. C'était un vendredi après-midi, 14h, où les gens étaient à l'usine en Europe, les gens travaillent, il n'y a pas de foot, vendredi après-midi. Et je l'ai dit, Ali Fergami, Jamel Madna, Ibrahim Youssef, les Égyptiens, les gars n'ont rien compris, commentaire en français. Il attendait, mais c'est quoi ça? Il a attendu 15 heures, le flash d'information pour dire 15 heures, Radio Alger, flash d'information qu'il a compris que c'était Radio Alger. Il s'est dit, dans un pays africain, un pays arabe, pour eux c'est arabe, qu'on fasse des reportages de ce genre. Je vous assure qu'il nous a écrit une longue lettre pour nous exprimer toute son admiration, qu'il a posté à monsieur le directeur de Radio Alger en français. C'est à l'époque que j'ai été convoqué par le directeur de la radio, un peu fébrilement, parce que les 15 blagues à ma lointaine m'ont convoqué. C'était notre ami d'Akoveli, l'Hachim Souami, qui était un grand journaliste de la radio et de la télévision algérienne, qui a été député immigration RCD en France, et qui nous donne cette lettre, avec une lettre de félicitations, disant, tu vois, un peu la notoriété de la radio algérienne. Un petit exemple pour vous dire qu'un Algérien, Amazon, là où ils sont, aux États-Unis, en Australie, ici au Canada, en France, l'Algérien est un cadre talentueux, est un cerveau parmi tant d'autres, malheureusement qui n'a pas la chance de s'exprimer dans un pays qui n'a pas les gouvernants qui le méritent. Malheureusement, les potentialités humaines, les richesses naturelles existent, le problème est un problème de gestion et politique et de gestion socio-économique. Voilà pour Melika. Mon ami Hussein de Tichy, Hussein Tounsi, l'identité, vous savez, c'est vrai que ce n'est pas la même, bien évidemment, on ne peut pas superposer. On dit d'abord que les langues, moi j'ai enseigné un peu la linguistique, les langues ne sont pas superposables. Même un mot, ça n'existe pas, on ne peut pas superposer un mot, un concept de la langue arabe vers la langue française, vers la langue namazighte. Impossible. Un ami, c'est pas la même chose. On ne peut pas le. C'est pas un triangle isocère qu'on peut mettre sur un triangle isocère. Et par la même, donc je veux dire que la revendication catalane, elle est ce qu'elle est, la revendication basque, la revendication bretonne, la revendication alsacienne. Vous savez qu'en Alsace, on disait que nous, c'est, on est allemands, c'est pas la France. Les Bretons qui frivent, les Corses, j'étais en Croatie un jour à Trieste. À Trieste, les Gostrons ont dit, non, on nous a volé, c'est fait partie de la Croatie, ce n'est pas italien, etc. Donc l'histoire a fait qu'aujourd'hui, chacun combat son identité. C'est vrai que l'identité amazigh a une autre dimension, dans la mesure où toute l'Afrique du Nord, je vous disais tout à l'heure, était amazigh avant l'invasion, plusieurs invasions. Les Vandales, les Carthaginois, les Phéniciens, les Romains, les Turcs, les Romains, les Romains, est-ce que nous avons avant comme des larmes? Donc, l'histoire fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais là où je ne suis pas tellement d'accord avec le Hassim, a venu les enfants de la GSM. Surtout qu'aujourd'hui, c'est l'argent, tu vois. Le Hassim a si bien dire, c'est qu'il est soit bien. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ziglir, moi, je vais travailler, avec ma femme, avec ma femme, je fais, je lève. Un zinz l'harif. C'est sûr, ou si nous sommes bien avec votre travail. Aujourd'hui, elle se vend de marché. Et il fait un trounest ou si nous sommes en Asie. Aujourd'hui, il se vend et à quel prix? Et le Carmos, il y a un Carmos, la fille de Barbarie, se vend. Ah, on l'a dit. Et il se n'a pas l'offre, c'est qu'il y a l'offre de la rave. Si, on allait aux forêts, il y a un
ramené du blanc à profusion. Aujourd'hui, seulement des sourds. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui prédomine. Le Guinée, la semaine des trônes, l'or est visé aux sourds. C'est l'air à l'hyptrône, elle se tient, elle roule les terres, elle roule la montagne. Mais mes tantes paternelles, c'est avoir toujours des œufs frais du jour, une douzaine que mes tantes me donnaient, les œufs du jour. Aujourd'hui, je me suis retiré aux œufs, je dans les plateaux d'œufs, si les galères, la soupe, il y a quelques années, pour les monter. Donc aujourd'hui, les temps ont changé. Et quand il travaillait, il a une femme instaurée. Quand on dit Barcelone, bon, j'ai interviewé Seydou Keïta à Bamako, il est malien, mais il est imprégné des valeurs de la culture basque, pour reprendre l'expression de la Russie. Samuel Eto'o, qui est camerounais, eh bien, il est basque, il est catalan au plus profond de l'eau, alors qu'il est camerounais. Aujourd'hui, on dit, mes enfants, vous savez qu'aujourd'hui, le dernier champion d'Europe, Ligue des champions, le club de Chelsea, est-il plus noble, plus conservateur dans le monde que les Anglais? Ben, Chelsea a été acheté par un mafioso russe, je le dis, Abramovich. Il avait de l'argent, il pouvait sortir de la mafia russe, je le dis aujourd'hui ouvertement. Il a acheté le club de Chelsea, il en a fait un club. Si sortir avec son chéquier, il est venu, il vient troller, il a sa loge d'honneur au stade de Chelsea. Autre, ce sont les Anglais, c'est les enfants du club. Le club, y a-t-il plus nationaliste, plus jeune, à la limite même un peu plus raciste que les Parisiens, les Français? Le Paris Saint-Germain, Oranté à la vin, le Qatar, c'est les Qataris qui ont acheté le PSG aujourd'hui. Adorez les anciens joueurs du PSG, si nous, les enfants du club, non, aujourd'hui, business is business, money is money, riche qualité. Donc aujourd'hui, le problème de Hanechi, et j'enchaîne sur la question de Hanechi, écoutez, le président de la GSK, moi je n'ai pas m'immiscer dans sa gestion, moi je l'ai dit toujours, on se dit qu'il vient de me dire Hanechi la Khalera. Vous présentez. Mourad, il est là, il est... l'alternative, il est où? Est-ce que la GSK exige et maintient 30 milliards minimum par an? La GSK fonctionnait avec 10 millions dans les années 67-68. Le bilan de la GSK en 69, je l'ai, 19 millions de centimes. Aujourd'hui, c'est 30 milliards, messieurs et mesdames. Et où des soirs des négatifs? Maintenant, Al-Hassan dit l'entourage, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je ne vais pas imposer Hanechi ton entourage, maintenant. Son entourage et son entourage, on lui a parlé comme ça, Katimine, Mirasabdi, il faut essayer de. Mais je ne peux pas m'immiscer. Le bonhomme, il me dit, eh oui, des alternatives. Il y a eu des alternatives dans les années, flemme. Et ce gars-là a fait, il ne faut pas oublier que Mahatchif Hanechi a été joueur international de l'histoire de la GSK. Aujourd'hui, il sert, il ne manque de rien. Sa raison de vie, c'est la GSK. Il n'est pas parfait, il fait des erreurs. Et il n'y a que celui qui travaille, qui gère, qui fait des erreurs. Quel est parmi nous celui qui ne fait pas d'erreurs dans sa vie quotidienne? En conduisant, en gérant, en achetant, en vendant, en optant pour tel ou tel. Donc le problème, il est là, et c'est bien. Et qu'il est mangement, ça m'appelle de dire à tous les supporters de laisser un petit peu les divergences pour. J'ai vu avant-hier un site de la GSK, les ultra-bros de la GSK, qui veulent envahir le stade pour le premier match contre Clemson. Bon, je pense que c'est bon augure qu'aujourd'hui le Royal doit venir remplacer la GSK. La GSK n'appartient pas, la GSK appartient à tous les Kabyles. Lui-même le dit, elle ne m'appartient pas. J'ai vu des bons droits, la GSK n'appartient pas à la GSK. Bien sûr qu'elle n'appartient pas à la GSK. C'est pas très, c'est le patrimoine. Il appartient à toute la Kabyle, il appartient à tous les supports. Les supporters qui se disent de ce que. La dernière question, je vais enchaîner avec notre ami Fauzi, j'ai eu le plaisir de vous connaître cette semaine à Montréal. La fierté de l'Algérie, c'est vrai. Quand on dit qu'il y a des supporters du Mouloudien, la FN, qui ont encouragé l'aide. Mais bien sûr, des esservelés, il y en a. Dans les stades, il y en a. Moi, j'en ai vu. On a joué Vita Club, la première fois Vita Club en 76-77, Vita Club du Zaïre, qu'on avait battu en finale en 81. Je te fais savoir qu'on les a battus difficilement 3-2 au stade du Saint-Julien. Et là, ça, on a retour 1-0, on a été éliminé par cette équipe du Vita Club. Il y avait des gars des Algérois, ça, la Mouloudienne et l'Usman. La GSK a mené 3-0, et chaque fois, dans les dernières minutes, marquant deux buts stupides, il y avait des Algérois, d'un homme qui en sort sauté. Il n'a pas sauté parce qu'il déteste le Kabyle, je suppose. Hein.